Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon petit haul Obonichi pour 2017. Allez, c'est parti! Donc, comme vous pouvez le constater, cette année, la boîte est jaune. Il y a aussi deux petits fascicules avec pas mal d'informations sur les Obonichi et maintenant en anglais, donc ce qui est bien pratique. Donc voilà, le petit fascicule 1 et le petit livebook. Alors, j'ai tout commandé en une fois, histoire de minimiser les frais de douane. Donc les petits stylos cadeaux jaunes assez vifs avec les petits dés. J'ai repris un Obonichi Wix, puisque ça me convient vraiment très bien pour le planning. Et j'ai décidé de prendre celui sur le café, bien sûr. Donc on va voir un peu à quoi il ressemble. Donc voilà, la couverture est en tissu. Tissé, c'est assez joli, un peu brillant comme ça. Donc les petits grains de café sont brodés. Non, il est vraiment très très joli, je suis assez contente. Toujours le petit... Ah, le plan est en plastique cette année. Bien, ça change. Et un petit livebook aussi. Et le stylo, bien sûr. Donc j'ai aussi pris deux Obonichi Techo. Donc un Techo classique pour pouvoir faire mes vidéos Plan With Me, puisque je n'ai plus du tout de place dans mes anciens Techo. Et un Obonichi Techo avec, pour mon journal. L'année dernière, j'étais repartie sur un Obonichi Planner, mais il devient vraiment trop gros, donc je reviens sur le avec, hein, c'est pas possible. Bien sûr, des petites plaques pour écrire, les Writing Boards. J'ai aussi décidé d'acheter ces petits autocollants en forme de cadre pour utiliser dans mon Obonichi Wix. Donc le papier apparemment est fait pour écrire directement dessus, donc ça doit être top. J'ai aussi pris des petits folders, alors pas en taille techo cette fois-là, mais en taille cousine, parce que j'ai des choses à ranger chez moi et j'avoue ils m'ont bien plu, surtout le deuxième, donc je vais vous montrer. Donc le premier avec la forêt, hop, voyez ce que ça donne quand on met des papiers dedans. Et le deuxième, voilà, qui m'a beaucoup plu, c'était la baleine et le ciel étoilé, forcément. J'ai aussi bien sûr acheté des cover on cover, donc j'ai pris celle-ci toujours avec la forêt pour l'Obonichi Techo et la version Tokyo, avec tous les éléments qui rappellent Tokyo et la vie japonaise. Pour le Wix, j'ai pris la version Angleterre, donc London, très bien aussi. En plus, c'est deux villes que j'apprécie, donc tant mieux. Et celle-ci, qui est bien jolie parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des éléments, notamment les petites étoiles qui sont dorées. Donc ça change un petit peu, c'est pas l'habitude de ça généralement sur les cover on cover. Et pour la couverture, la seule que j'ai prise, mais c'est pour ça que j'ai attendu pour vous faire cette vidéo, c'était la Blackbird. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette couverture, et donc il a fallu que j'attende le 1er octobre pour la commander. D'où un haul un peu tardif par rapport à l'ouverture des commandes. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est une couverture en tissu avec des petits détails sur le thème de la chanson Blackbird des Beatles. Donc j'aime beaucoup le tissu, il est un petit peu rugueux, vraiment agréable, un petit peu canevas en fait. Avec la pochette, le mot fly à l'arrière, le Blackbird à l'avant, les petits pompons en marque-page, la petite carte avec marqué The Beatles, que je vais garder je pense. Une autre petite carte, donc je pense que celle-ci je vais la mettre là. Et donc je vais installer dedans mon Obonichi Techo avec.
Et voilà, pareil pour 2018. Non, cette couverture est vraiment très jolie, cette espèce de cuivré, vraiment sympa. Bon, quant à celui-ci, je vais le mettre dans la couverture que je vous ai déjà présentée de chez Snow Journal Cover, donc c'est celle avec les petits chats. Voilà, c'était celle-ci que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt !